Je vais voler à travers les arbres comme un singe. Voler, voler. Oui. Allez, on monte. Cette chose autour de votre ventre et jambes est un harnais. Ça vous attache à la corde et à l'arbre pour ne pas tomber. Ah! Oh! Psst! Billy, je vais grimper à cette grande arbre là-bas. Ben moi, je vais voler de celui-ci qui est vraiment énorme. Je volerai plus vite que toi. Mais non! Caillou, Clémentine, écoutez-moi bien. Bon, par quoi voulez-vous commencer? Pourquoi pas commencer avec celui-là? Celui-là, c'est pour les bébés, Léo. Je sais, un simple exercice. Ensuite, on ira très vite sur les plus grands. Regarde-moi, Billy. J'irai même plus vite que Clémentine. Sois prudent, Caillou. C'est vraiment haut là. Mais non, Léo. T'inquiète pas, Léo, je suis là. C'est ça. Vas-y petit à petit. C'était super, Léo. Maintenant, allons-y pour les plus grands. Ouais, super. Comme il est grand, cet arbre. Allons-y. Billy, vas-y avant moi, s'il te plaît. Ouais. Non, je vais le faire. Léo, tu es sûr? J'avais peur pour commencer, mais vous m'avez encouragé et je n'ai plus peur. Tant que vous êtes avec moi, je peux accomplir l'impossible. Tu y arriveras, Léo! Vas-y, Léo! Youpi! Aujourd'hui, Caillou et sa maman allaient jardiner. Qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Il y a une chenille. Elle mange beaucoup de cette grande feuille, maman. Pourtant, elle est vraiment minuscule.
Eh bien, c'est une petite chenille maintenant. Bientôt, ce sera un gros et fort papillon. D'abord, elle doit manger autant que possible. Caillou regarda de près la chenille, mais elle était si petite qu'il ne comprit pas comment elle pourrait devenir un papillon. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Sarah, l'amie de Caillou, l'observait par un trou dans la clôture du jardin. J'essaye de regarder cette minuscule chenille, mais c'est trop petit. Nous pouvons utiliser ma nouvelle loupe. C'est quoi? Une loupe est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de petit apparaître grand. Caillou regarda à travers la loupe et rit. Le visage de Sarah apparaissait beaucoup plus grand. Caillou aimait voir la chenille à travers la loupe. Il pouvait voir toutes ses petites pattes bouger. J'ai une idée. Jouons à l'explorateur de la jungle. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il s'est mis à genoux et a commencé à explorer. Wow! Un super énorme monstre de la jungle. Caillou regarda l'énorme papillon. Il était tellement coloré. C'est aussi gros qu'un oiseau! Il doit avoir mangé énormément de feuilles! Caillou voulait encore regarder le papillon, mais il s'envola. Reviens ici, papillon! La jungle est beaucoup plus épaisse là-bas. Tu ne peux pas la traverser. Si je ne peux pas la traverser, je vais passer dessous. Caillou se pencha aussi bas que possible et rampa plus loin dans le jardin. Caillou voyait encore le papillon au loin. Il était sur un lion féroce qui dormait profondément. Je dois faire attention à ne pas réveiller le lion endormi. Le lion s'est réveillé avec un rugissement et a effrayé le papillon qui s'est envolé plus profondément dans le jungle. Je t'ai maintenant, papillon! Le fort grondement dans le ciel fit sursauter Caillou et effraya aussi le papillon. C'était quoi ça? Caillou avait très peur et a couru hors de la jungle aussi vite que possible. Sarah! Sarah! Maman! Sarah! Avez-vous entendu ce grand bruit? Ne t'inquiète pas, Caillou. C'était juste le tonnerre. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais ça a effrayé mon papillon! Ce n'est pas grave, Caillou. Regarde, la chenille de ce matin a fait un cocon. Maman a montré à Caillou un bocal avec un cocon dedans. Caillou utilisa la loupe pour voir de près. Qu'est-ce qu'un cocon, maman? Quand une chenille fait un cocon, cela signifie qu'elle se transforme en papillon. Waouh! Bientôt, j'aurai un papillon à moi seule! Waouh, Caillou! C'est génial! Caillou s'est bien amusé à explorer la jungle et à chercher des papillons. Il était impatient que le cocon éclose pour jouer à nouveau. C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou! Wow.
temps. C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Sois béni. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou! Allons-y. Oh. Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Hé, les gars, regardez ça! Hé, les gars, pourquoi on ne fait pas nos propres jeux de sport? Dans le jardin! Ouais, allons-y! Garçons et filles, prenez vos sacs. À vos marques, prêts, partez. Bien, maintenant au trampoline. Très bien les enfants, un à la fois.
Léo, tu es le premier. Bien, c'était très impressionnant, vous tous. Un grand bravo. Maintenant, un nouveau jeu. Ouais. Celui qui jette le plus loin a gagné. 3, 2, 1, jetez. Et la balle gagnante est à Clémentine. Une pause, les enfants? Miam! Et maintenant, papa? Et pour le dernier défi de la journée, le saut en hauteur. Ouh! Ouh! Un vrai saut en hauteur! Bonne chance à tous! Et en deuxième place, Caillou. Bon travail. Et cela met Clémentine en première place. Félicitations, Clémentine.